Bonjour, chers élèves. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons devant vous pour vous présenter le cours. Et le cours d'aujourd'hui sera axé sur l'influence de l'énergie de liaison par nucléon sur la stabilité du noyau. Et pour commencer, nous allons présenter, vous parler de quelques définitions relatives au noyau d'atomes. On va parler des caractéristiques d'un noyau atomique et la composition d'un noyau. Alors, que comprend le noyau? Que contient le noyau d'un atome? Le noyau, comme vous le savez, est composé des protons et des neutrons. Et l'ensemble, bien sûr, des protons et des neutrons est appelé nombre de nucléons. Donc, nous allons écrire. Vous allez écrire avec nous, le noyau est composé des protons et des neutrons. L'ensemble des protons et des neutrons, l'ensemble des protons et des neutrons est appelé nombre de nucléons. Nombre de nucléons. Donc après ceci, nous allons passer. On va donc donner des caractéristiques des protons et des neutrons, notamment la charge et la masse. Va commencer par la charge et la masse du proton. Donc, nous avons le 1. 1, 1, 1, charge et masse du proton. Le proton est une particule chargée positivement. Le proton est une particule chargée positivement. Et sa masse est égale à 1,67 que multiplie 10 à la puissance 27 kilogrammes. Donc, on écrit MP égale à 1,67 que multiplie 10 à la puissance moins 27 kg. Voilà en ce qui concerne le proton. Après le proton, nous allons passer au neutron, puisque le noyau est constitué des protons et des neutrons. Donc,
au grand 1, 1, 1, 2, charge et masse du neutron. Le neutron, comme son nom l'indique, est une particule neutre. Donc sa charge est nulle. Et sa masse est environ égale à celle du proton. Donc vous allez noter avec moi. Un neutron est une particule neutre. Une particule neutre. Sa charge électrique est nulle. La masse du neutron est sensiblement égale à la masse du proton. C'est égal à 1,67 que multiplié 10 à la puissance moins 27 kg. Le proton est représenté par ceci. Donc, P, 1, 1. Donc, 1, c'est son nombre de masse et son Z, c'est 1. Et le neutron est représenté par 1, 0, N. 1, 0, N. Donc, nous récapitulons. Le noyau est constitué des protons et des neutrons. Le proton est une particule chargée positivement. C'est d'ailleurs le proton qui confère sa charge au noyau atomique. Ce noyau atomique est chargé positivement. Et sa charge vient des protons. Et les protons ont une masse. Et la masse d'un proton est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. La représentation du proton est celle-ci. On a P1, 1. Le neutron est une particule neutre, donc sa charge est nulle. Et la masse du neutron, c'est sensiblement à peu près égale à la masse du proton. Et donc, c'est la même, ça fait 1,67, 10 puissance moins 27 kg. Et symboliser le neutron par 1,0N. Nous allons passer à la notation symbolique du noyau. 1, 1, 2. Notation symbolique du noyau. Parce que comment est-ce qu'on note le noyau? Comment est-ce qu'on symbolise le noyau? Vous devez le savoir. Notation symbolique. Du noyau. Le noyau est symbolisé par ceci. X, A, Z. Donc nous avons X, le noyau. À sa gauche, en haut, nous avons A. En bas, nous avons Z. A, c'est quoi? Z, c'est quoi? A, c'est le nombre de nucléons. A, c'est le nombre de nucléons. Nous avions dit que l'ensemble des protons et des neutrons constitue le nombre de nucléons. Donc, A est égal à Z plus N. Z symbolisant le nombre de protons.
c'est d'étant le nombre de protons. Et N, le nombre de neutrons. Nombre de neutrons. A est le nombre de nucléons, donc c'est la somme des deux. X ici, bien sûr, symbolise, c'est le symbole de l'élément chimique. X symbolise le noyau, symbolise aussi l'élément chimique, symbolise aussi l'atome. Z, on l'a dit, donc c'est le nombre de protons. Mais Z, c'est aussi le nombre de charges. Nombre de charges. Le nombre de charges. Le même Z, c'est aussi le numéro atomique. Numéro atomique. Donc, que l'on dise nombre de protons, nombre de charges, numéro atomique, c'est toujours le Z. A égale à Z plus N, si nous connaissons A, si nous avons le nombre de protons, on peut déterminer le nombre de neutrons en faisant tout simplement N sera égal à A moins Z. N égale à A moins Z. Ceci étant, nous allons passer à la définition de certaines notions dont les éléments chimiques. Qu'est-ce qu'on entend par éléments chimiques? Qu'est-ce qu'on entend par isotope? C'est quoi un nucléide? On va donc donner des éléments, des informations. Définir ces notions. Grand 2, éléments chimiques. Éléments chimiques. Isotopes. Nucléides. Qu'appelle-t-on éléments chimiques? Donc, au 1, au 2, 1, éléments chimiques. Alors, nous allons définir l'élément chimique tout simplement comme ce qui est constitué, comme l'ensemble en fait des particules, des atomes et ions ayant le même nombre de protons. Un élément chimique, c'est l'ensemble de particules, atomes et ions ayant le même nombre de protons. Un élément chimique. Est l'ensemble est constitué par l'ensemble des atomes ions ayant le même nombre de protons.
excusez-moi, et ion. Un élément chimique est constitué par l'ensemble des atomes et ions et le même nombre de protons. De isotopes. Qu'appelle-t-on isotope? Les isotopes, ce sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons différent. Ou le nombre de masses différent, puisque le nombre de masses, c'est l'ensemble, c'est le nombre de protons. Donc, c'est l'ensemble des protons et des neutrons. Si le nombre de neutrons ne sont pas les mêmes, le nombre de masses aussi ne sera pas identique. Donc, les isotopes. Sont des noyaux ayant le même nombre de protons mais du nombre de neutrons et du nombre de neutrons c'est N, le neutron étant symbolisé par grand N, ou de masse A et de masse A différent. Nous pouvons donner un exemple. On peut prendre le carbone, par exemple. Si nous avons le carbone, on a le carbone 12, 6. On a le carbone 13, 6. Et nous avons le carbone 14, 6. Et l'ensemble de ces trois atomes constitue un élément chimique, l'élément chimique carbone. Le troisième, on va en parler plus tard dans la réaction nucléaire, il est radioactif. Donc ça permet de dater les objets anciens. Carbone 12, carbone 13, carbone 14. Les trois ont le même Z, mais des A différents. Si bien que l'élément chimique, on le reconnaît à partir de Z. C'est le Z qui détermine l'élément. Et l'ensemble donc des trois constitue l'élément carbone. Et chacun d'eux donc a un pourcentage dans l'ensemble. Et l'élément le plus prépondérant, c'est celui-là qui représente les autres, notamment dans la classification périodique. Parce que les éléments que nous avons dans le tableau périodique sont constitués des isotopes. Et celui qui a le pourcentage le plus élevé dans l'ensemble va représenter les autres. Donc, quand vous voyez le carbone de l'étalon périodique, carbone 12, 6, il n'y a pas que le 12, 6. Derrière d'autres atomes, il y a le 13, 6, il y a le 14, 6. Les trois constituent donc l'élément carbone. Outre l'élément carbone, on peut prendre par exemple aussi l'oxygène. L'oxygène, nous avons le 16, 8 O, le 17, 8 O, le 18, 8 O. L'hydrogène, on a le 1, 1 H, le 2, 1 H, qui est appelé aussi deutérium. Deutérium ou hydrogène lourd. Hydrogène lourd. Nous avons aussi le 3,1H qui est appelé tritium. Les trois constituent l'élément hydrogène.
Donc, après les isotopes, nous allons parler des nucléides. On vous laisse le temps de noter. Donc, nous avons 2, 3 nucléides. Qu'appelle-t-on nucléide? Qu'est-ce qu'un nucléide? Un nucléide est l'ensemble des atomes caractérisés par des valeurs déterminées de nombre de masse A et de nombre de charge Z. Un nucléide est l'ensemble des atomes caractérisés par des valeurs déterminées, donc bien précises, le nombre de masse A et le nombre de charge Z. Donc, c'est l'ensemble, en fait, des entités. C'est l'ensemble d'entités. On peut aussi dire ça comme ça. Déterminées du nombre de masse Z. Déterminées par le nombre de masse Z, le nombre de charge Z, pardon. Charge Z et du nombre de masse A. Et du nombre de masse A. On peut prendre un exemple. On prend, par exemple, le radon et l'azote. Exemple. Et nous avons le radon, symbolisé par Rn. Le A, c'est 222. Le Z, donc le numéro atomique, c'est 86. Nous avons l'azote, A14. Le Z7. Ce sont des nucléides. Après ces éléments d'introduction, nous allons maintenant entrer dans le vif, en fait, de notre cours. Parce que là, on était sur des prérequis, sur des bases nécessaires à la compréhension de la suite. Nous allons parler maintenant de l'équivalence masse-énergie. L'équivalence masse-énergie. Grand 3. Donc, après ces prérequis, grand 3, équivalence. Équivalence, masse, énergie. Le défaut de masse. Le défaut de masse. En parenthèse, delta M. Le défaut de masse, c'est delta M, représenté par delta M. 3, 1, 1, définition. C'est quoi le défaut de masse? Pourquoi le défaut de masse? En théorie, nous venons de le dire, qu'un noyau est constitué des nucléons, donc des neutrons
et des protons, dont l'ensemble constitue les nucléaires. Donc, en théorie, en principe, la masse du noyau, au repos, immobile, serait égale à la somme des masses des nucléaires qui le constituent. Mais dans la réalité, ce n'est pas cela. Dans la réalité, il a été prouvé expérimentalement que la masse du noyau au repos, immobile, est inférieure à la somme des masses des nucléons qui le constituent. Et donc, la différence entre la masse de ces nucléons-là, l'ensemble des masses de ces nucléons-là, et la masse du noyau, c'est ce qui constitue le défaut de masse, delta M. Donc, nous allons écrire ceci. La masse d'un noyau. La masse du noyau. Masse d'un noyau. On va être représenté par Mx. Immobile. Est toujours inférieur. Inférieur à la somme des masses des nucléons la somme de masse de ces nucléons, pris séparément et au repos. Donc, si nous disons que M est la masse des nucléons, de ces nucléons, principalement au repos, donc les nucléons de ce noyau-là, MX est la masse du noyau immobile au repos, comme c'est la différence. Nous avions dit que c'est mx est inférieur à m. Donc, cette différence-là, c'est ce que nous appelons par défaut de masse. Bon. Excusez. Le noyau, c'est x, hein? OK. X c'est le noyau, MX c'est la masse du noyau, M c'est la masse de ses nucléons, pris séparément et au repos, et delta M, le défaut de masse, c'est la différence de cette masse-là, de ses nucléons, par la masse du noyau, puisque MX est inférieur à M. Mais M c'est quoi? C'est l'ensemble, donc la masse des neutrons et la masse des protons que contient le noyau. Donc, pour représenter, donc, pour donner l'expression du défaut de masse, pour l'expliciter, nous allons écrire ceci. Donc, pour un noyau, donc, symbolisé par A, Zx, delta M est égal à la masse des nucléons, donc nous avons la masse des protons, donc Zmp, Z étant le nombre de protons, M la masse d'un proton, plus A moins Z Mn, N étant le nombre de neutrons,
pardon, la masse d'un neutron. A moins z, c'est le nombre de neutrons. Hein, vous n'oubliez pas que nous avions dit, hein, en amont, en début, que A égale à z plus n. Et donc, le nombre de neutrons n est égal à A moins z. Juste à titre de rappel. Donc, A moins z, c'est le nombre de neutrons. Moins la masse du noyau. Donc, voilà l'expression du défaut de masse. Donc, ça, c'est la masse totale des protons, masse totale des neutrons et la masse du noyau. Donc, après ceci, le défaut de masse, nous pouvons parler maintenant de la relation de l'équivalence entre la masse et l'énergie qui a été établie par Albert Einstein, qui a réalisé des travaux et qui a montré qu'il y avait une équivalence, en fait, entre la masse et l'énergie. Donc, en fait, l'énergie est une masse et la masse est une énergie. Donc, nous avions dit que la masse d'un noyau, mx immobile, est toujours inférieure à la somme des masses de ses nucléons pris séparément et au repos. Et si pour nous, m, c'est la masse de ses nucléons, mx, c'est la masse du noyau, le défaut de masse égale à m moins mx. Et m étant la masse, donc la somme des masses des nucléons, le défaut de masse est à m égale à zmp plus a moins zmn moins mx. Zmp étant la masse totale des protons, plus mp c'est la masse d'un proton. Donc, il faut multiplier par le nombre de protons que contient le noyau pour avoir la masse totale des protons. On fait pareillement pour avoir la masse des neutrons, puisque la masse des neutrons, ça c'est pour un neutron, il faut multiplier par le nombre de neutrons, et le nombre de neutrons égale à A moins Z. Et donc, ceci nous donne déjà la masse des nucléons, moins la masse du noyau. Mais en parlant, je pense que déjà à votre niveau là-bas, il y a des questions qui surgissent. Hein. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte cet enseignant-là, hein? Le noyau est constitué des protons et des neutrons. Mais comment ça se fait que la masse du noyau soit inférieure à la masse des nucléons? Vous devez déjà savoir, un, que il est inférieur à la somme des masses de ces nucléons pris séparément et au repos. Quand ces nucléons sont pris séparément. Parce que quand ils se combinent, quand ils se mettent ensemble pour constituer le noyau, quand ils fusionnent, ils perdent une partie de leur masse. Et cette perte-là, c'est ce que nous appelons par le défaut de masse. Parce que quand ils se mettent ensemble, ils ne gardent pas la même masse que quand ils étaient séparément. Voilà pourquoi la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons pris séparément et au repos. Donc, quand ils ne sont pas encore dans le noyau, en fusionnant, il y a une perte. Cette perte, c'est le défaut de masse delta M. Il y a ce qu'on appelle l'équivalence entre la masse et l'énergie. La relation a été établie par le physicien Albert Einstein. Et nous allons donc vous parler de cette relation-là. C'est la relation d'équivalence, ou bien la relation d'Einstein. 3.2, relation d'équivalence. Cette relation nous permettra aussi de comprendre un certain nombre de notions que nous avons énoncées en amont. Ça va clarifier aussi. 3.2, relation d'équivalence. Ou relation d'Einstein. D'après Albert Einstein, il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Nous allons vous énoncer ce qu'il avait donné. Il avait donné un postulat en 1905,
Et ce postulat s'énonce ainsi. Tout corps au repos dans un référentiel donné possède, du seul fait de sa masse, petit m, une énergie potentielle appelée énergie de masse donnée par la relation E égale à mc carré, avec c bien sûr la célérité de la lumière dans le vide. Donc cette relation, qui est connue sous le nom de la relation d'Einstein, traduit une équivalence entre la masse et l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie peut se transformer en masse, c'est-à-dire se matérialiser hein, sous forme de particules. Et inversement, la masse peut être convertie en énergie. Donc par conséquent, tout défaut de masse, c'est qu'il voit une variation d'énergie potentielle de masse delta E. Donc la relation déjà, c'est E égale à mc carré. Toute énergie possède une masse. Toute énergie peut être convertie en masse et vice versa. Et donc, si nous avons un défaut de masse, si on a le défaut de masse delta m, ça veut dire que nous pouvons avoir une énergie delta E égale à delta m fois c carré. Parce que les deux, c'est la même chose. La masse est une énergie matérialisée, tout simplement. Et donc, nous avons le défaut de masse. Nous avons ici l'énergie libérée. Nous avons aussi les unités de masse hein, et d'énergie. L'énergie, généralement, s'exprime en mégaélectronvolts. Ici, dans le cas spécifique des noyaux atomiques, on travaille beaucoup avec le mégaélectronvolt. Mais il y a une relation entre le mégaélectronvolt et le joule. Donc, pour les unités, pour l'énergie, nous avons le mégaélectronvolt. Mégaélectronvolt. On écrit MeV. MeV. 1 méga électronvolt égale à 1,6 que multiplie 10 à la puissance moins 13 joules. 1 méga électronvolt. 1 méga électronvolt égale à 10 à la puissance 6 électronvolts. Alors que 1 électronvolt égale à 1,6 que multiplie 10 à la puissance moins 19 joules. Donc nous aurons souvent au niveau des noyaux atomiques à utiliser le méga électronvolt avec les conversions que vous connaissez. Nous venons à peine de donner. Donc, 1 mégaélectronvolt, c'est égal à 10 à la puissance, 1,6, 10 puissance moins 13 joules. Et dans le cas des noyaux atomiques, c'est plus approprié, c'est plus simple de manipuler le mégaélectronvolt que le joule. Au niveau de la masse, on va parler de l'unité de masse atomique. Nous allons parler de l'unité de masse atomique. Donc, pour la masse, on va plus utiliser l'unité de masse atomique. On abrège U. Et unité de masse atomique, c'est 1,66 que multiplier 10 puissance moins 27 kg. Il y a aussi une relation, puisqu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie, donc il y a une relation entre l'unité de masse atomique et le mégaélectronvolt. C'est-à-dire que unité de masse atomique, c'est égal à 931,5
mégaélectronvolts divisé par C au carré. U égale à 931,5 divisé MeV divisé par C au carré. Nous allons poursuivre notre cours et nous allons parler de la stabilité du noyau. Étant donné que pour nous, l'objectif spécifique ici, c'est de montrer l'influence de l'énergie de liaison par nucléon sur la stabilité du noyau. Quand on dit tant qu'un noyau est stable, quand est-ce qu'un noyau n'est pas stable? Et donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, 4, stabilité du noyau. Énergie de liaison. Définition. L'énergie de liaison est notée EL. E majuscule en indice avec un petit L. Voilà notre énergie de liaison. Mais c'est quoi l'énergie de liaison? L'énergie de liaison, nous le définissons simplement comme étant l'énergie minimale qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléon isolé et immobile. Pour que vous puissiez prendre note, nous le répétons, l'énergie de liaison, donc notée EL, est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléon isolé et immobile. Et cette énergie, bien sûr, aussi libérée à la formation du noyau à partir de ces nucléons. Puisque nous avions dit que quand les nucléons se mettent ensemble, fusionnent pour constituer du noyau, il y a une perte de masse, delta M. Et cette perte de masse-là, c'est cette perte de masse-là qui correspond à cette énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, EL, puisqu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie, est égale à delta M C au carré. Énergie de liaison égale à delta M fois C au carré. D'autre part, delta M est égale à la masse des nucléons, donc ZMP plus A moins ZMN, moins la masse du noyau. Et donc, si nous remplaçons delta M par cette expression-ci, nous aurons l'énergie de liaison égale à ZMP plus A moins ZMN moins MX
fois C au carré. Voilà l'expression de l'énergie de liaison qui correspond donc en fait au défaut de masse. Donc, quand les nucléons qui sont isolés se mettent ensemble, fusionnent pour constituer le noyau, ils convertissent, donc ils utilisent une partie de leur masse, donc, pour constituer cette énergie-là qui les lie, en fait, pour se lier. Parce que sinon, comment est-ce qu'ils sont soudés pendant longtemps? Comment est-ce qu'ils sont ensemble? Et où est-ce qu'ils trouvent l'énergie de se mettre ensemble? Mais c'est une partie de leur masse qu'ils utilisent et qui permet donc de former cette énergie de liaison, donc de les souder. Et c'est matérialisé par l'énergie de liaison, la delta M fois C carré. Donc en fait, c'est juste une traduction énergétique du défaut de masse, l'énergie de liaison. Outre l'énergie de liaison, nous avons aussi l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon. Quelle est la différence? Vous allez le constater. Donc, l'énergie de liaison, nous passons à l'énergie de liaison par nucléon, 4,2. Énergie de liaison par nucléon. Symbolisé par EL bar A. A étant le nombre de nucléons. Il faut comparer, il faut déterminer de deux noyaux, de deux ou plusieurs noyaux, quel est le noyau le plus stable. Mais cette comparaison-là, la stabilité des noyaux, ne peut se faire à partir des énergies de liaison. Parce que tous ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Voilà pourquoi il y a cette notion-là qui est introduite, la notion de l'énergie de liaison par nucléon, qui permet de déterminer la stabilité des noyaux, de comparer entre les noyaux, quel est le noyau le plus stable. Et par définition, nous allons vous donner la définition, l'énergie de liaison par nucléon est l'énergie nécessaire à chaque nucléon pour provoquer la rupture du noyau. L'énergie de liaison par nucléon est l'énergie nécessaire à chaque nucléon pour provoquer la rupture du noyau. Donc, elle se calcule en utilisant le quotient, en faisant le quotient de l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons. Donc, EL bar A est égal au quotient de l'énergie de liaison sur A, A étant le nombre de nucléons. D'autre part, nous l'avions vu, on avait dit que EL était égal à delta M fois C au carré. Et donc, en remplaçant ici, nous aurons l'énergie de liaison par nucléon, qu'on peut aussi appeler énergie de cohésion. Noyau, c'est égal à delta M C carré sur A. Delta M étant égal à Z MP plus A moins Z MN moins MX, la masse du noyau. Nous allons remplacer ici, nous aurons donc l'énergie de liaison par nucléon est égale à ZMP plus A moins ZMN moins MX
multiplié par C au carré sur A. Voilà donc donné l'expression de l'énergie de liaison par nucléon qui s'exprime en mégaélectronvolts par nucléon. MeV par nucléon. A, c'est le nombre de nucléons. Donc, on peut les exprimer comme suite. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Mais il permet de déterminer la stabilité. D'un noyau. Et pour ce faire, il y a une courbe que nous allons tracer. C'est la courbe d'Aston. Cette courbe qu'on trace à partir, bien sûr, de l'évolution de l'énergie de liaison par nucléon, qui nous permet de déterminer les zones où nous pouvons avoir les noyaux qui sont stables et celles où il y a des noyaux qui sont instables. Donc, nous avons 4, 3 influences du nombre de masses A 4, 3, 1 courbe d'Aston. Nous allons vous donner l'allure de cette courbe. Cette courbe qui porte sur l'axe des ordonnées le nombre d'énergie de liaison par nucléon et sur l'axe des abscisses le nombre de masses. Faciliter le traçage de notre courbe. Donc, nous avons sur l'axe les ordonnées nous allons sur l'axe des ordonnées, donc mettre les énergies de liaison par nucléon. Et sur l'axe des abscisses, le nombre de masses.
Donc, en traçant notre courbe, on va se rendre compte que cette courbe nous présente trois parties. Une partie ayant des atomes dans le A inférieur à 20, de noyau léger. Une seconde partie dont nous avons les noyaux, dont le A est voisin de 60, de noyau moyen. Et de l'autre côté, il y a des noyaux lourds. Et les noyaux qui sont légers et ceux qui sont lourds sont vraiment instables. Ce sont des noyaux dont le A est voisin de 60 qui sont plus stables. Donc la courbe là présente trois parties et donne en même temps les domaines de stabilité des noyaux. Ah, c'est moi. Ah. Donc, la courbe que vous voyez, dont nous avons donné que l'allure, hein, l'allure de la courbe, présente trois parties. Nous avions dit, il y a la première partie, la deuxième, la troisième. La première, nous avons des noyaux dont le A est inférieur à 20. Nous avons la troisième partie dont le A est
supérieur à 200. Et au milieu, ceux dont le A est voisin de 60, ils sont ici. Les noyaux légers et les noyaux lourds sont instables. Ces noyaux ne sont pas stables. Et les noyaux les plus stables sont ici, sont au milieu, parce que leur énergie de liaison par nucléon est autour de 8. Parce qu'un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est comprise entre 7, 8 et 8, 8 mégaélectronvolts par nucléon. Et ici, les noyaux légers auront tendance plus à fusionner. Ils vont souvent se fusionner pour aller vers la stabilité. Parce que vous savez que tout tend vers la stabilité. Ce qui est instable tend vers ce qui est stable. Alors que ceux-ci auront plus tendance à se séparer, donc à fissionner. Et ici, nous avons ceux qui sont stables. Donc, ceux qui sont instables, c'est ceux dont le A est inférieur à 20 ou le A est supérieur à 200. Alors que ceux dont le A est voisin de 60, proche de 60, sont plus stables. Et ceux qui sont stables ont une énergie de liaison par nucléon, compris entre 7 et 8, 1 MeV par nucléon et 8, 8. Ceux-là, ils sont les plus stables, ceux qui sont ici dans la deuxième partie. Les autres là-bas, ils sont moins stables. Donc voilà déjà ce qu'on pouvait vous dire sur la stabilité. Donc l'énergie de liaison par nucléon influe sur la stabilité d'un noyau. Permet de déterminer la stabilité d'un noyau. C'est très important, c'est une notion très importante concernant cette stabilité-là. Ceci étant, notre exposé étant terminé, nous allons quand même faire quelques applications. Vous allez restituer ce que vous avez appris. On va essayer de vérifier si réellement vous avez compris. Vous avez appréhendé les notions qui ont été données ici. Donc, nous allons faire une restitution des connaissances. Vous allez lire avec moi. Restitution des connaissances. Question à choix multiple, QCM. Précise pour chacune des questions suivantes la ou les propositions justes. La masse d'une particule, petit a, n'est une forme d'énergie que lorsqu'elle est en mouvement. Petit b, est une forme d'énergie potentielle. Petit c, est une forme d'énergie cinétique. 2. Un noyau est d'autant plus stable que petit a, son énergie de liaison par nucléon est plus élevée. Petit b, son énergie de liaison est plus élevée. Petit c, le défaut de masse est plus faible. Voilà quelques propositions qui sont données. Alors, en se fondant sur notre cours, vous allez nous dire, parmi ces trois propositions, au niveau de 1 à B, C, quelle est la proposition qui est juste? Là où les, puisqu'il peut en avoir plusieurs, dans le cas de A comme dans le cas de B. Alors, quelle est la bonne réponse? D'après vous, vous qui nous suivez, quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Oui. Bien sûr, vous l'avez trouvé, j'espère. C'est le B. C'est le B. La masse d'une particule est une forme d'énergie potentielle. Pour le 2, un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est plus élevée. Son énergie de liaison est plus élevée, le défaut de masse est plus faible. Oui, la bonne réponse est... Quelle est la bonne réponse? Bien sûr, c'est le A. C'est le A. Parce que le A
Le noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est plus élevée. C'est l'énergie de liaison par nucléon qui nous permet de déterminer la stabilité d'un noyau, pas l'énergie de liaison, tout simplement. Vu que tous les atomes n'ont pas le même, tous les noyaux n'ont pas le même nombre de nucléons. Donc, on ne peut pas utiliser l'énergie de liaison. Pour le 1, la bonne réponse, c'est le B. Pour le 2, c'est le A. Pour la suite, nous avons les questions à alternative. Vrai ou faux? Nous allons lire ensemble. Réponds par vrai ou faux aux propositions ci-après. 1. Le MeV fois C moins 2 est une unité de masse utilisée à l'échelle de l'univers. Vrai ou faux? 2. L'argon 40 et le potassium 40 sont des isotopes. Vrai ou faux? 3. Les noyaux de deux isotopes ont la même valeur de l'énergie de liaison par nucléon. 4. La masse d'un noyau est égale à la somme des masses de ses nucléons libres et au repos. 5. La courbe d'Aston permet de comparer la stabilité d'un noyau à celle d'un autre. Top chrono, c'est parti. Oui? La réponse? Le 1. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. C'est une unité de masse utilisée à l'échelle atomique, pas de l'univers. Donc, c'est faux. L'argon 40 et le potassium 40 sont des isotopes. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Les isotopes, c'est le même élément. Ce sont des atomes d'un même élément. Pas des éléments différents. Ce sont des atomes d'un même élément. Ça doit être le même élément. Ils ont le même Z, les A différents. Ils n'ont pas le même A, mais ils ont le même Z. 3. Les noyaux de deux isotopes ont la même valeur de l'énergie de liaison par nucléon. C'est faux. Ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Pour faciliter, bien sûr, la prise des notes, là où vous êtes, nous allons donc... C'est faux. Ça aussi, c'est faux. On a donné la raison. Les noyaux de deux isotopes ont la même valeur de l'énergie de liaison par nucléon. C'est faux. Parce qu'ils ont le même Z, pas le même A. Or, dans l'énergie de liaison par nucléon, le A intervient, le nombre de nucléons. Donc, ils n'ont pas le même nombre, la même valeur de l'énergie de liaison par nucléon. La masse d'un noyau est égale à la somme des masses de ces nucléons libres et au repos. C'est faux. C'est faux, parce que nous avions dit que quand ils se mettent ensemble pour constituer le noyau, ils se fusionnent, ils fusionnent, une partie de leur masse est convertie en énergie de liaison pour les souder. Et donc, la masse là n'est pas pareille. La masse là est inférieure à la masse de ces nucléons libres et au repos. La courbe d'Aston permet de comparer la stabilité d'un noyau à celle d'un autre. Bien sûr, c'est vrai. Je pense que vous avez trouvé, hein? Je pense. Donc, c'est vrai. Cette courbe-là nous permet de donner des domaines de stabilité, donc de comparer la stabilité du noyau. Ainsi prend fin notre séance de ce jour. Nous vous remercions beaucoup pour votre aimable attention et vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.